Une fois de plus, Loana s'est retrouvée la cible d'attaque sur son physique. Dans une courte vidéo postée sur son compte Instagram, l'ami d'Eryl Prayer a adressé un message, qu'elle voulait réconfortant, à sa communauté. A contrario, ses fans se sont alarmés lorsqu'ils ont aperçu la dentition de l'ancienne lofteuse. Plusieurs d'entre eux ont remarqué qu'il manquait des dents à la star de télé-réalité. Dans les commentaires, les critiques ont fusé, non, mais elle n'a plus de dents en bas, il lui manque des dents en bas, où sont passées tes dents? Depuis son passage en 2001 dans l'émission Loft Story, les internautes se sont pris de passion pour les déboires de l'ancienne meilleure amie de Sylvie Ortega. Engagée dans une bataille contre ses addictions, la lofteuse enchaîne, depuis 20 ans, les allers-retours entre hôpitaux et centres de désintoxication, sans parvenir à une guérison totale. Supérieure à Loana, découvrez son évolution physique ces 20 dernières années. Loana face à ses démons en 2021, Guillaume Janton annonçait que Loana avait été transférée d'urgence dans un hôpital psychiatrique après avoir consommé une dose alarmante de GHB liquide. Sur le tournage, elle était tout le temps avec une bouteille d'une célèbre boisson. Et on s'est rendu compte que dès qu'elle en buvait, elle changeait d'état. Elle aurait mis dans cette bouteille du GHB liquide, avait-il indiqué. À la suite de cet incident, l'ancienne candidate de télé-réalité avait pris la décision de quitter Paris pour Vence, là où vit sa mère. Là-bas, l'ancienne lofteuse a trouvé le calme dont elle a besoin pour combattre ses démons et retrouver un équilibre, loin des tentations de la capitale. Article écrit en collaboration avec Cimedia Crédit Photo, Cédric Perrin.